RBS 91.9. Pour annoncer sur RBS, contactez-nous à pub@radio-rbs.com. Planète Racing, l'émission 100% Racing. Il est 21h04 au Stade Amélo et partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing sur RBS, la première émission 100% Racing Club de Strasbourg. Nous sommes en direct comme tous les mardis 21h, 22h pour une heure d'émission consacrée bien sûr au Racing Club de Strasbourg. Il fait froid, il pleut, mais c'est voilà, c'est la fête à la grenouille. C'est voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit Papa Frédéric la semaine dernière? Il avait dit en avril. Exactement. J'espère qu'elle m'a bien écouté. Regarde, elle est déjà en chemisette, machin. Ouais, ouais, mais moi j'ai Alex froid, a, là, tu vois. Alex, il a sorti les polos, tranquille, là. Il avait froid avant, hein. Ah, non. Il avait dit sa pointe. J'avais froid comme ça. Ouais. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Ils sont... Non, mais c'est gras. C'est le défouloir de la semaine. Il y a le... Quand il n'y a pas Racing le week-end, c'est un bordel. Mais si, il y avait Racing. Mais oui, mais il n'y avait pas la Méno. D'ailleurs, t'avais dit oui, Guillaume marquerait, hein. Il n'a pas marqué. Ouais mais parce que j'ai pas regardé le match donc voilà. Ouais, voilà. Ah, voilà. Bah ouais. Si, si, j'ai regardé un peu. Donc, ça anime une émission, ça regarde pas le match. Eh ouais. Mais ouais, mais quand il y a Koh-Lanta, qu'est-ce que je te dis, hein. Oh putain, t'as sorti le mot qui n'était pas sorti à mes oreilles c'est ça. Au moins deux ans. C'est ça. Je savais même pas que ça existait encore. Elle vit encore. Ouais, moi je pense. Oui, je crois qu'elle vit encore. En prison. Ah bon? Non. Et il est encore. Voici la page People de Guillaume. Ouais, il la voit de temps en temps. Et il a un peu changé de voix en tout ce soir, hein. Ouais. Attends, je prends sa position. Ouais. debout, voilà. Le cul en poule. Ouais. Oh. Ça t'en vient, tu fais toujours la bouche comme ça. En plus, tu nous écoutes, on te fait un bisou. Le pauvre, il travaille ce soir. Mais c'est pas grave. Il est censé nous ramener plein de picoles. Hein. Voilà, ouais, parce que pour une fois, il a encore perdu. Enfin, pour la 17e fois, il a encore perdu un pari. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, nous sommes bien en direct pour une heure d'émission, quoi. Sacré bien sûr au Racing Club de Strasbourg. On en parlera tout à l'heure, on va en parler bien sûr tout de suite aussi du match face à Laval. C'était ce week-end la victoire du Racing de Buzyn. On va parler également avec notre invité tout à l'heure, Vincent Cobos, joueur du Racing dans les années 90. Il a fait plus de 10 ans au Racing, notamment 2 ans en tant que capitaine. On va bien sûr voir son passage au Racing Club de Strasbourg, mais également ce qu'il est devenu aujourd'hui après toutes ces années. Et puis on parlera bien sûr du match de vendredi face au Havre. Il reste... Allez, peut-être quelques places debout en populaire, on va dire ça comme ça. C'est à la limite du guichet fermé, donc ça sera un chaudron vendredi. Hein, on a presque des frissons déjà maintenant. En même temps, il y a la fenêtre qui est ouverte, c'est pour ça que j'ai des frissons, mais... Mais en tout cas, ça va être the ambiance déjà contre Ajaccio. C'était chaud. C'était déjà chaud contre Ajaccio. Je pense que contre le Havre, ça va être le level au-dessus. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi au dernier match... Alex, il casse toujours bien, tu as l'ambiance, tu... Mais ouais. Non mais tu parlais du prochain match là. Moi je comprends pas. Tu vas répondre. Vas-y. Pourquoi la populaire sud elle est fermée? Je vais pas répondre. Ouais. Allô la billetterie, bonne question. Alors j'imagine que pour les caméras c'est plus sympa d'avoir du monde en face. Bah, c'est la priorité de toute façon. Dans la mesure où c'est plein... Je pense qu'elle va réouvrir. En tout cas pour le moment le site, veuillez patienter SVP. En raison d'une forte affluence, une file d'attente a été mise en place. Donc, il restait une place il y a 5 minutes. Une place en tribune sud haute. One place. Voilà. Donc, hormis les populaires, mais je pense que les gens sont en train de se jeter sur les populaires. Je revends une place en sud haute. Ils sont intéressés. On l'a vu, c'était nous. 3 000 euros. Va voir sur le bon coin dans 10 minutes, tu verras comment tu parleras des choses. Je m'en fous, moi j'ai mon abonnement. On va chercher. Je vais regarder un petit peu pendant l'émission. Allez, on va parler bien sûr de la victoire du Racing Club de Strasbourg avant d'avoir notre invité Vincent Cobos tout à l'heure, de la victoire du Racing face à Laval, match piège on l'avait dit par excellence face au dernier de Ligue 2, et on a eu chaud, on a eu très chaud.
physionomie, on va dire en deux trois actes. La première, c'est un Racing dominateur. On va en parler bien sûr tout à l'heure, mais pas concluant malheureusement. Et puis ce qui devait arriver arriva, puisque quand on domine et qu'on marque pas, bah d'ailleurs on se fait souvent punir. C'est ce qui s'est passé juste avant la mi-temps. C'est souvent le cas d'ailleurs. Voilà. Et puis il y a eu un nouvel acte, on va dire, au retour des vestiaires où le Racing vraiment là a montré quelle était sa vraie place. Voilà, en marquant deux buts. Et puis une gestion pas forcément, on va dire, sereine en fin de partie, mais un peu chanceuse. C'est pas très catholique, hein, on va dire. Ouais, mais voilà, mais c'est la chance de l'équipe qui est en haut par rapport à l'équipe qui est en bas. Voilà, tout simplement. Voilà, un peu en quatre actes, cette rencontre du côté de la Mayenne. Le Racing qui s'est déplacé de nouveau avec plus d'une centaine de supporters qui avaient fait le lointain déplacement pour les supporter. C'était un vendredi soir en plus, cette fois-ci. Donc effectivement, le Racing qui s'est imposé. Le premier acte, il y a eu des grosses occasions quand même. On a senti un Racing conquérant dès le début avec la volonté, on va dire, de marquer les premiers pour se mettre à l'abri. Et puis finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bah moi, ce qui m'a interpellé surtout, c'est que j'ai pas tous les matchs en tête, mais de 2017, j'ai l'impression que à chaque fois qu'on a un temps fort, on arrive à le concrétiser. Et là, j'ai l'impression que c'est le premier match de l'année 2017 où vraiment on a un temps fort, on n'arrive pas à le concrétiser, derrière on encaisse. Heureusement qu'on prend pas le 2-0 parce que c'est pas sûr qu'on se remette, même si on a la force mentale de l'équipe. Mais je pense aussi que s'il y a 0-0 à la mi-temps, c'est pas sûr non plus qu'on fasse la deuxième mi-temps qu'on a fait. Ouais. Ouais, on imagine bien qu'au retour des vestiaires, ça a dû un petit peu chauffer au niveau des oreilles, parce que c'est vrai que le Racing avait pas fait ce qu'il fallait, était mené au score. Il y a eu des occasions de Blayac, de mémoire, de Guillaume, de Boutaïb, voilà, enfin le trio qui avait été remis en place. Déjà aussi peut-être le retour du capitaine, de l'ancien capitaine, on va dire ça comme ça maintenant, et un SCK titulaire arrière droit, puisque Abdallah Ndour était blessé, et du coup Laurent Dos Santos a migré de droite à gauche. Voilà, peut-être un mot sur le retour d'Ernest Seca. Il a fait la prestation, à l'image de la défense, on va dire que ça comme ça. Jamais trop surpris, hormis peut-être sur le but. Non, parce que pour moi, il s'est forcé en fait à jouer. Il avait pas envie de jouer, il s'est forcé. Il a été nonchalant, même sur le but avec la passe de Gonçalves. Il fait une talonnade. Magnifique la talonnade. Hop, ouais, une petite talonnade. Il part en marchant vers l'avant. Il regarde pas ce qui se passe. Je sais même pas si le but il l'a vu. Donc non, franchement, il était sur le terrain, mais juste ça, quoi. On dirait que l'esprit est déjà. C'est vraiment pas là où il voulait vraiment pas jouer à ce poste en fait. Et du coup, il l'a fait comprendre à tout le monde. Ouais, en tout cas, voilà. C'est bon, passé. Ouais, c'est passé, voilà. Il a fait une avant-passe décisive. Ouais. Une demi-passe décisive. Là où j'ai eu peur, c'est un moment, je crois qu'il fait une passe en retrait pour Alohou, mais d'une faiblesse. Ouais. La balle, t'as l'impression qu'elle allait s'arrêter avant, s'il y avait eu un joueur Lavallois à proximité. Il récupérait la balle, il partait au but, mais. Oui, mais non. Il perdait aussi à un moment donné le ballon. Il avait aussi relancé sur le joueur de Laval. Ouais. En tout cas, voilà, retour après plus de 15 jours sans jouer, voilà, ça pas, mais bon. D'ailleurs, il n'y a pas eu de conséquences. Après, c'est pas son poste non plus. Mais on l'a vu plus conquérant aussi. Ouais. Enfin, non, il a joué au Poirier sur ce poste-là. Il y a combien de temps? Tu remontes il y a 4 ans en arrière. Ouais, mais voilà, il a fait 4 ans de défenseur central, capitaine indiscutable, entre-temps. Tu oublies vite, je pense. Tu perds tes marques, forcément, quoi. Et surtout que son gabarit, tu le mets défenseur droit, mais il a pas du tout le gabarit d'un défenseur droit. Surtout que je pense que le premier match où il était allé à ce poste, on l'avait vu monter plein de fois. Alors ok, ça apportait un beau surnombre et c'était impressionnant à chaque montée, mais il n'a pas le physique pour faire je sais pas combien d'allers-retours comme ça non plus. N'importe quel gringalet est plus rapide que lui de toute façon pour le prendre de vitesse. Donc à partir de là, une fois qu'il est pris dans le dos, c'est terminé, il le rattrape pas. Après, le duel physique, il les mange tous. Non, on a Mangan derrière pour courir vite. Et ça. Ouais, écoutez, pour moi, ça passe. On verra vendredi, mais pour moi, ça tient effectivement. Mais voilà, le Racing a quand même eu quelques difficultés, on va dire ça comme ça. Et ce qui devait arriver, comme on l'a dit, arriva. C'est cette ouverture du score, un but un peu bête quand même de notre invité de la semaine dernière, Alex Oukidja, qui avait anticipé un peu le centre. En même temps, il la joue bien, l'attaquant. On va dire ça comme ça. Moi, je suis pas convaincu que la balle rentre. Si Oukidja la touche pas, je sais pas. Mais en même temps, si il peut rien faire d'autre. Il a la main vers le but, donc à moins de faire une espèce de crochet. Imaginez se baisser pour esquiver le ballon. Ça aurait été classe. Non, rater la balle. Il rate son arrêt, la balle rentre pas, c'est super. Il passe dans le but, ouais. Non, c'est chaud. Franchement, c'est chaud quand même, là. Mais bon. Après, effectivement, l'attaquant joue très bien le coup, parce que, c'est vrai que quand on voit l'action. Après, il faut voir aussi au début de l'action. Il y a eu quand même un peu de laxisme au début de l'action où on a laissé jouer.
L'attaquant est parti d'Ilan Saint-Louis hein, de mémoire. Est parti tout seul effectivement sur le côté. On aurait pu il avait un peu fait ce qu'il a voulu et puis finalement bah voilà, ça porte ses fruits mais voilà, bon, en tout cas, ça a eu, on va dire, ça a été le déclic du Racing, on va dire, le réveil. Seulement, comme tu disais avant, ils ont failli se faire punir et c'était vraiment à quelques centimètres près, parce que le 2-0 était vraiment voilà. Pas loin. Hein. C'est là où le Racing a peut-être eu sa chance de, allez, je sais pas si on peut appeler ça la chance du champion, mais... Chance du hors-jeu. Ouais, mais... Voilà. Depuis Sochaux, en fait, j'ai l'impression qu'il y a le dieu du football qui survole la Méno et qui suit le club partout où il va et... Il frappe pas qu'à la Méno, hein, parce que tu vois les résultats de ce week-end. Ouais, en plus, c'est on va parler et encore ce soir. Ça, hein, j'ai une technique pour la défaite de Lens, je la dévoilerai peut-être plus tard. Ah, il l'a prédit. Eh ouais, après Guillaume, après Paul le Poulpe. Voilà, c'est Poupée Vaudou. Voilà. Donc c'est vrai que le Racing aurait pu arriver à la mi-temps à 2-0 et là c'était vraiment pas la même musique parce que revenir deux buts ça aurait été vraiment vraiment très très compliqué. Quelques ajustements quand même je pense dans le vestiaire parce qu'on a vu le Racing un peu différent au retour des vestiaires. Et ça a porté ses fruits effectivement sur cette action où Ernest Seca garde le ballon, l'attaquant le défenseur ne vient pas trop le chatouiller et puis il met le pied sur le ballon, talonnade. Et puis Goncalves qui met une... Goncalves, je vais arriver, mais... Elle est assassine, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Il y a une CD, ouais. Il te l'a dit, en plus, la dernière fois. Ouais, Garocon, non, c'est la même chanson, ouais. Tu veux Coxy sur le dos, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il fait un super centre enroulé, magnifique. Moi, je pensais que ça allait arriver au premier poteau. Et ben non, pas du tout, parce que c'est Blayak. Ouais. Ça passe vraiment là où il faut, quoi. Il enroule. Alors forcément, Anthony a caché sa joie, puisque... il jouait quand même contre son ancien club. On imagine bien que ça a été un petit peu compliqué le retour, parce que c'est vrai que à l'interview après match, tu voyais qu'il était assez émotif. Ouais. Et émotive. Puis émotif. Pardon. Il était émotif. C'est avec l'accent portugais. Arrête de foutre de ma gueule, toi. C'est avec l'accent portugais en fait. Émotif. Ouais. Pardon. Il paraît même qu'il y avait un, mais ça, ouais, je l'ai pas vu à la télé, il paraît même qu'il y avait un tifo pour lui, Ouais, alors j'ai cherché des images, j'ai cherché sur les supporters de Laval. Je n'ai absolument pas trouvé une seule image de quoi que ce soit de ce truc là. Je sais pas. Hashtag cherche le tifo de Goncalves. Goncalves. Vu qu'on parle de trucs qui sont un peu annexes au match, quelqu'un sait c'était quoi cette drôle de boule blanche qu'on voyait derrière le but de une sorte de grand dôme. Ouais, genre un igloo là. Ouais, un grand c'est ça, derrière un des deux buts, il y avait un grand igloo. Mais vous regardez le terrain avec le ballon vous, voilà. Nous on regarde le match déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais, je regarde les matchs, mais ça me dit rien, ça. Mais pourtant, c'est un gros truc. Ah ouais, mais je sais. Derrière un but, là, derrière le but où Blayak marque, je crois, en plus. Non, je crois que c'est l'autre. Non, bah, c'est pas important. D'accord. De toute façon, c'est pas important, mais ouais, si. Ah, ils ont des igloos en Mayenne, ouais. Il y a peut-être la neige. J'ai cherché, j'ai pas trouvé ce que c'était. Non, ils avaient du soleil et tout. C'était une structure artificielle, mais à quoi elle servait? Est-ce qu'il y avait une buvette dedans? Je sais pas. Pour le terrain ou quoi? Parce qu'il y a pas une piste là-bas, en plus, non? Mais en plus, il y a rien derrière les buts. Ouais, il y a rien, c'était sur la main courante, les spectateurs derrière. C'est assez impressionnant. Enfin, c'est pas notre stade, quoi. Ouais, c'est pas la Méno, effectivement, ouais. Et donc, bah, le Racing qui a eu la bonne idée, effectivement, d'égaliser au retour des vestiaires. Je crois qu'on jouait à la 51e ou 2e minute. Par Jérémy Blaya qui montre encore qu'il est le capitaine, qu'il est l'homme en forme en plus actuellement, hein. C'est vrai que comme on disait un peu la semaine dernière, quand c'est pas un, c'est l'autre qui peut marquer. Et ça, c'est vraiment du ratio minute but temps joué but, il est pas mal Blaya cette saison. Ouais, je crois que Bouteille est pas mal aussi, hein, parce que comme il a pas joué au mois de janvier, il est plutôt pas mal, hein. Il a nouveau marqué en plus. Et voilà, donc la passe def d'Anthony. Et puis le deuxième, le Racing qui fait tout de suite le boulot, comme on les a connus déjà, comme face à Sochaux, où ils marquent tac-tac deux coups, deux buts. Enfin voilà, réussite 200%. Et c'est vrai que là, bah, le bon travail, on va dire, côté droit, la récupération de Boutaïb, hein, c'est lui qui fait cette espèce de louche pour... Elle sourit déjà, Dimitri Yana. et Dim qui délivre une nouvelle passe décisive. Je crois que c'est 9e hein, de mémoire pour l'attaquant du Racing qui vient tromper de la tête. Effectivement, c'est comme à la parade, quoi. C'est magnifiquement travaillé, joué et puis c'est un 1-2 hein, finalement, mais un 1-2 qui traverse tout le terrain. C'est vraiment pas mal joué. Et en tout cas, voilà. Enfin, c'est voilà, ça a permis en tout cas au Racing de doubler la mise, de se retrouver à 2-1, et puis derrière, bah il y a quand même quelques frayeurs. Moi, j'ai surtout eu la frayeur, peut-être pas sur la claquette la dernière ou un truc comme ça, mais c'est la reprise de volée qui je sais pas comment il tire à côté.
Bah, surtout. Ni au-dessus, je sais pas où elle va. On sait pas où elle va, en fait, ouais. Je sais pas comment il fait. Me demande d'ailleurs si elle est pas passée dans le filet, tu vois. Ouais, non, mais. Traversé, je puis... pense que ça a transpercé, personne n'a vu, mais c'est incroyable. C'est... Comment il a raté ça? Parce qu'il met vraiment une patate, fait dire, elle, ce que j'ai dans la Lulu, c'était la même chose, quoi. Ah, il y a mis un parpaing. Hein. Ouais. Et c'est vrai que le Racing a eu chaud, quand même, hein, en fin de partie, alors que il aurait pu un petit peu jouer, je sais pas, sur le physique, sur la fraîcheur, voilà, il y a Stephen qui est rentré, enfin voilà. Ça aurait pu permettre de on va dire de bloquer un peu le score et être un peu plus serein pour les dernières minutes. Mais c'est vrai que c'était le Racing a eu chaud. Parce que même Grimm honnêtement sur un match comme ça, on n'a pas du tout vu un leader de Ligue 2 quoi. Enfin je sais pas mais c'est c'est un des pires matchs que j'ai vu mais cette saison c'était quand même une purge celui-là. Non mais à l'inverse on a vu une équipe qui joue sa survie aussi. En face ouais. Ouais. Non, c'est clair. Après, voilà, faut pas oublier non plus qu'ils ont tapé Reims 5-2 il y a 15 jours. Et ils vont à Lens aussi lundi prochain, je crois. Et Lens n'a pas encore gagné. Ouais. Non, mais bah justement, on va parler de Lens parce que c'est vrai que Alex le là, disait. Là, c'était le sujet qui fâche. Le hein. Marabout. Oh, la poupée vaudou. Ah, moi, j'ai regardé une partie. J'ai peut-être pas regardé tout le match du Racing, mais j'ai regardé une partie de Lens, enfin de Le Lens hier. C'est faible. C'est d'une faiblesse, c'est attristant. Wow. Ah, déjà, j'étais très triste parce que j'ai déjà eu l'occasion d'aller au stade Océane à au Havre, qui est un stade magnifique. Le jour, on a la même chose à la Méno, peut-être un peu plus grand, mais ce stade, il est juste magnifique de l'extérieur. De l'intérieur, il est, comme dit, il est proche du terrain. Enfin, c'est vraiment, c'est un vrai cocon, quoi. Hein. Franchement, mais il est neuf. Il est tout neuf. C'est dommage vraiment qu'il ait pas connu la Ligue 1, ce stade. Ouais, mais franchement, c'est un super outil, vraiment un super outil. Alors déjà, il y avait pratiquement personne dans tout le stade. Jean-Michel avait... c'est... ouais. Mais c'était vraiment, enfin, assez triste dans les tribunes. On va dire ça comme ça. Bon, lundi, pourtant, c'était une belle affiche, quoi. Le Havre Lens, quand même, voilà. Mais alors Lens. Bah, j'ai regardé vite fait des historiques de saison passée où Lens jouait déjà la montée, donc comme à chaque fois qu'ils sont en Ligue 2 d'ailleurs. Et il y a une saison où ils étaient peut-être deuxième, quelque chose comme ça. Au final, sur les 5 ou 6 derniers matchs, ils prennent 6 points. Il rate la montée, donc on voit que le sprint final, finalement, à force de s'appuyer sur les jeunes, le sprint final, il a surpris. Ah, il manque un peu d'expérience, peut-être, et un peu, ils ont quelques absences, en plus. À chaque fois qu'ils sont en Ligue 2, ils s'appuient sur les jeunes, et à chaque fois, ils ratent la montée sur le fil, au sprint final, parce que manque de fraîcheur, manque d'expérience, ça gère moins, et voilà. En tout cas, bah, c'était la surprise. On l'a dit, il y a eu pas mal de surprises. Peut-être un petit rapide tour des stades, voilà. Donc, on l'a dit, le Racing s'est imposé du côté de la Val de Buzyn. Reims, Nîmes, un partout. C'est la vraiment bonne opération. Ça, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Parce c'est que du coup, alors, que j'avais ça peur de Nîmes. Pas un, mais ça ralentit surtout Nîmes qui était plutôt dans une bonne c'est spirale, ça. Quoi. Hein. Et il y a Nîmes qui va à Brest. Ouais. Ouais. Sachant que Brest a dans 10 jours. Laisse-moi me faire mes résultats. Pardon. Clairement, 3, un partout aussi. Parce que, et 3 perdus les deux attaquants. Voilà. Dinan et Niané. Ouais. Et là, je pense que c'est, Niané, c'est fin de saison. C'est sorti c'est sur civière. C'est le meilleur buteur, ouais. Je sais pas ce qu'il a, mais sorti sur civière, je pense que la saison est terminée. Il a un peu pour le rattraper maintenant. Non, mais le rattraper, c'est pas grave. Si ça empêche 3 de planter 3 buts par match, c'est bien aussi, quoi. En tout cas, ils ont perdu toute leur attaque, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'attaquant. Ils vont devoir jouer avec Grand-Cyr en attaque. Avec qui? Nivet. Grand Cyr, Enivet, ouais. Qui a 48 ans, je crois, maintenant, environ. Ajaccio Niort, donc c'est 3-1 pour Ajaccio, ce qui montre quand même, Ajaccio, qui est 15e et Niort qui était que 8e. Enfin, voilà, c'est quand même pas mal, alors qu'on les a battus la semaine passée. Sochaux, qui s'est encore fait surprendre par le Gazélec. Là, Sochaux, c'est la fin de saison, vivement que ça se termine. Ah, ils sont derniers sur la phase retour depuis 2017. Ils ont gagné un match à domicile. Je crois qu'ils ont plus 6 points en 2017, ce qui est... Et tes supporters, chaque fois que tu vas au match, pendant toute la saison, tu vois qu'une victoire. Ah, puis surtout, moi j'ai vu les buts encore hier soir. C'est terrible. Enfin, des trucs... c'est assez catastrophique. Grosse victoire qui c'est le réveil du Red Star 4-1 face à Bourg-en-Brest. Alors là, c'est surprenant aussi parce que Red Star était avant-dernier et Bourg-en-Brest 13e. Justement, je pense que en fin de saison, ça joue beaucoup aussi les équipes qui jouent le maintien, qui jouent leur survie dans le championnat, ouais. Ils donnent tout et là c'est ce qu'on a vu avec Red Star. Laval contre nous et contre Reims déjà avant. Et je pense que les équipes de bas tableau, on peut compter sur eux pour aller chercher des points chez pour perturber un petit peu. Ouais. C'est peut-être mieux de jouer contre du milieu de tableau finalement que contre des bas de tableau. Ça me va très bien de jouer contre le Havre. Le Havre en vrai, c'est Niort, parce que ceux qui affrontent Auxerre, Tours qui est très très chaud en ce moment, Laval qui a pas encore dit son dernier mot, Red Star et tout ça.
Je préfère le calendrier qu'on a. Je pense que ça va être une belle fin de saison. On va parler après du calendrier et puis enfin, surtout du classement. Grosse victoire de Valenciennes hein, là qui a explosé Orléans 4-0. Je pense que pour Orléans ça va être pratiquement terminé. Et ça sur le maintien de Valenciennes. Voilà, donc ça c'est fait. Auxerre Tours 1-1. Ça c'est un résultat qui arrange aucune des deux équipes parce que si Tours est bien, ouais, ils sont bien sortis là. Ils ont 40 points quasiment, non? 37. Ouais. Mais ils sont pas loin du maintien quand même. Pour l'instant, ils sont maintenus, hein. Ouais, ils sont 17e. Ouais, ils sont 16e. Mais bon, voilà, c'est un match, voilà, c'était plutôt malheureux vaincu. Et puis finalement, personne n'a gagné, quoi. C'est un petit peu la conclusion. Et puis, bah, on va dire la grosse surprise de nouveau. Et là encore, bah, ça rejoint ce qu'on disait sur Lens. La défaite de Brest à domicile face à Amiens. Là aussi, dans un match de fou, hein, parce que Brest mène deux fois au score. Amiens à 10. Non. Amiens, ouais, je sais plus, enfin. Si, je crois qu'ils étaient à 10. Et surtout avec un but. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas vu les buts. Ah, oh, mais une mine. Ah, de mon conduit, non? Oh là. J'en suis plus. Oui, je crois que ça va être ça. Il met une patate sous la barre. Mais Hartog est pas non plus exempt tout reproche. On va dire ça comme ça. Après, s'il met une paluche dans la lucarne. Ah non, mais il a 30 mètres, quoi. Hein. Enfin, c'est un but de malade, quoi. Vraiment. Jérémy Grimm. Voilà. Exactement. Une tentative et ça passe. Et en tout cas, bah, Amiens s'impose sur le terrain Brest. Et puis, comme on l'a dit, la victoire du Havre hier soir 1-0 face à Lens. Donc, attention danger quand même face au Havre. Parce qu'ils ont une belle bique. Ils ont quelques bons joueurs, quand même. Hein. Attention, à l'aller, c'était difficile. Il va falloir que le public soit chaud et on imagine que, de toute façon, les Strasbourgeois sont vraiment chauds. Alors, petit point très rapide avant d'avoir notre invité pardon tout à l'heure, bah, le Racing premier 59 points, Brest du coup bah, qui lâche sa place 59 points également, mais on est devant en goal average. Nîmes qui bah, s'accroche malgré son match nul 55 points, et c'est là où aussi la différence maintenant avec le Racing, c'est qu'ils ont 4 points d'avance, et ça c'est plutôt pas mal à 4 journées de la fin, puisque ça nous fait un joker quand même. Mais bon, faut pas les griller un petit peu trop vite, parce qu'après vous avez vite la pression, surtout si là c'était plutôt favorable, ça peut être tout l'inverse le week-end prochain. Ensuite on a Lens 55 points qui bah, du coup descend du podium, et là ça va être chaud. Et alors là, on a vraiment un tir groupé. Donc Nîmes lance 55 points, Amiens 3 54 points tous les deux, et Reims 52 points. Après, bon, le GFC ça s'est fini, c'est 48. Mais même pratiquement jusqu'à Reims 7e, 52 points, ils sont à 3e, ils sont à 3 points du 3e. Ouais. Ouais. Ça va être vraiment chaud, sachant qu'il y a des confrontations directes. C'est ce que j'allais dire. Ça va. Reims a quand même une différence de but qui est bien plus basse que celle des autres. Je crois qu'ils sont à plus 5, ouais. Ouais. Et les autres sont à plus 11, plus 12 ouais, en ouais, moyenne. Ouais. Ouais. Mais même nous, en fait, c'est vrai que même nous, on a que plus 13, hein. On n'est pas, c'est Nîmes qui a la meilleure différence avec plus 15, hein, en fait. Et puis, il y aura effectivement bah, le bas de classement où ça va être chaud aussi. Le Havre, l'adversaire du Racing, est 9e ce soir avec 47 points. Et puis, bah, on a le Red Star en bas, 34 points. Orléans 31 points et Laval 30 points. Effectivement, ça va être chaud, même si bah, pour Orléans et Laval, c'est pratiquement, j'ai envie de dire, terminé. Hein, il y a pratiquement 3-4 points maintenant de différence. Ça va être très difficile pour ces équipes-là. Ouais, mais Orléans fait yo-yo depuis 2 ans. Hein. Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Bon, c'est des équipes qui étaient montées avec nous hein, quand même. Donc voilà, bon, ça sera en tout cas la grosse performance du Racing du week-end. Effectivement, bah, c'est on va dire bon à prendre. Petit point aller très rapide avant d'avoir Vincent Cobos par téléphone tout à l'heure sur les matchs du week-end si on va y arriver. Le Racing, on va parler peut-être après. Je vais présenter l'invité. Le Racing qui jouera donc à domicile, c'est vendredi à 20h face au Havre. Nîmes Auxerre, un beau match aussi. Hein, ça aussi, Auxerre effectivement, on espère justement, qu'il récolte. Il ne pas gagner non plus. Ouais. Amiens Ajaccio, Niort Reims, le Gazélec face à Valenciennes, Tours Clermont, Bourg-en-Bresse, Sochaux, Orléans Red Star. Alors là, on va le revaincu parce que là, c'est pratiquement terminé. Ouais. 3 Brest qui vaudra son pesant de cacahuètes aussi. On imagine que les Troyens vont tout faire pour rester dans la bonne charrette. Et à domicile, on les connaît. Ouais. Et puis Lens, Laval, ben voilà, bon ça va être on va espérer que nos amis lavallois vont faire le boulot pour décrocher quelque chose. Mais on sent quand même les Lensois un peu fébriles hein, sur cette fin de saison. Hier, je les ai pas sentis, on va dire, réactifs. C'est-à-dire qu'ils ont, ils avaient pas les capacités, pas les solutions non plus. Ils ont essayé de jouer long. Enfin voilà, je sais pas, moi je les ai pas senti plus dangereux que ça, quoi. Peut-être qu'ils sont dans le creux de la vague où ils sont fébriles justement, donc. Bah déjà en fait, il manque leurs deux attaquants, Christian Lopez et Kevin Fortuné qui apportent de la profondeur. Là ils ont Abibou. Déjà pour moi Abibou, quand tu le mets en pointe, c'est pas un dessin animé, ça. Non. Non. Ça pourrait, ouais, mais. Abibou. Déjà il s'appelle Habib Abibou, donc je pense que c'est quand même une grosse force d'inspiration de la part des parents. Ouais. Mais déjà ouais, il a pas le profil pour évoluer seul en pointe parce qu'il le fait jouer seul en pointe Casanova à défaut parce qu'il a personne d'autre en attaque.
Mais le mec est statique et à la limite il irait bien dans un 4-4-2 avec Lopez ou Fortune à côté de lui. Qui est tout autour, ouais, ouais. Là il est, c'est vraiment un attaquant statique, donc déjà la profondeur faut oublier. Et le jeu de tête, il a personne à qui il a dévié, donc non c'est franchement. Et puis hier compliqué. il était superbement pris en tout cas par la défense havraise. Il a touché 6 ballons à la mi-temps. D'accord. Allez, on est en direct avec notre invité de ce soir. Il nous fait le plaisir de nous accorder un petit peu de temps ce soir et ça nous fait très plaisir d'avoir de ses nouvelles. Effectivement, on l'avait quitté. Bah, ça fait longtemps maintenant qu'il était au Racing Club de Strasbourg dans les années 80-90. Le temps a passé, mais on n'oublie pas les anciens joueurs. On avait son frère en plus il y a pas longtemps. D'ailleurs, il m'a dit qu'il était jaloux d'être passé après son frère. Mais bon, ça, on s'en excuse d'avance. C'est comme ça. Vincent Cobos, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Ça nous fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles parce que pour beaucoup c'est notre jeunesse, hein. c'est les années 80, les années 90, le Racing, c'était tout simplement notre jeunesse. Vincent, on va revenir avec vous sur votre carrière et ce qui fait plaisir et alors c'est ce qu'on disait un petit peu avec notre invité Anthony Gonsalves il y a 15 jours maintenant, c'est que ce genre de profil comme vous et comme lui, ça existe plus trop, c'est-à-dire des joueurs de club qui ont fait 10 ans pratiquement dans le même club. Aujourd'hui, ça devient malheureusement de plus en plus rare. Anthony lui a fait 15 ans du côté de Laval et on va revenir un petit peu Anthony pose d'habitude la question comment vous avez commencé dans le football. En tout cas, ça me fait plaisir d'entendre de nouveau un peu l'accent alsacien. Ah, il a attrapé le syndrome Lévy, en tout cas. Le syndrome, Lévy qui a le syndrome Cobos. Ouais, l'accent du sud, ouais, on l'entend par contre bien aussi, hein. Ah bon, d'accord. Ça va, ouais, ça fait 23 ans que je suis dans le sud, à Sainte-Maxime, dans le Var. J'ai commencé, on a eu un petit peu la même trajectoire avec mon frère, même si je suis un peu plus âgé que lui. Des fois, je suis même très âgé, hein, parce que le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir les jambes très lourdes. J'ai commencé au CS Neuhof, un club où on a commencé tous les deux, chez les jeunes, où j'ai découvert le football et pris le plaisir à jouer dans ce club de quartier. Mais contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'était un club très convivial, très sympa. Où il y avait une excellente ambiance et en plus on avait une très très belle équipe. Je crois qu'on a terminé, on a joué la finale, à l'époque c'était la catégorie minime, on a fait une finale contre Mulhouse, donc on avait même joué contre le Racing Club de Strasbourg en demi-finale. D'ailleurs c'est peut-être là qu'ils m'ont un peu recruté pour jouer chez les cadets nationaux. Donc ça fait, j'ai passé quand même pas mal d'années, hein, de l'âge de LKD, ça devait être quoi, ça devait être 14-15 ans, quelque chose. Ouais, comme c'est ça, ça, ouais. Ça existe même plus aujourd'hui, hein. C'est les U15. Il y a certains auditeurs qui vont rien comprendre, hein, parce que je vais reparler de choses. Mais justement, nous on aime bien ce côté vintage, un peu qui rappelle un peu notre enfance, parce qu'on avait tous la licence minime aussi. Les gens ils connaissent même plus, les poussins, voilà. Enfin ça c'était, voilà, c'était. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait les cadets nationaux avec les jeunes du club, hein, et on avait une très très belle équipe. C'est vrai que ça fait tellement longtemps, mais des personnes qui m'ont beaucoup apporté. Il y avait vraiment un esprit très familial et c'est ce qui m'a toujours plu chez les jeunes et notamment même au Racing, hein, il y a toujours eu cet esprit familial qui, à mon avis, il existe beaucoup moins dans les clubs professionnels aujourd'hui. Et en cadets nationaux, donc on a fait deux saisons extraordinaires. On a joué les demi-finales des championnats nationaux de cadets contre notamment une grande équipe de Sochaux, parce qu'à l'époque Sochaux avait le meilleur centre de formation de France. Et c'était des matchs vraiment incroyables avec Freddy Zix, qui était mon entraîneur en cadets. Il est toujours au club, il me semble. Je sais pas s'il est encore au club. Encore au club. C'est une bonne question. On va regarder. Je sais même pas. Non, je pense qu'il. Ouais, oui, il était il y a pas longtemps encore. Mmh. Et après, j'ai été recruté. Donc j'ai eu un cursus, j'allais dire un peu classique, au centre de formation. Et j'ai signé ma première licence. C'était pas stagiaire pro. Je crois que c'était apprenti ou quelque chose comme ça.
Et au centre de formation, j'étais avec Arsène Wenger, c'est lui qui m'a recruté. Bah, je sais pas, moi je connais pas ce monsieur, donc je, désolé, mais. Ce qui est sympa, c'est que Arsène, à l'époque, jouait, il était, quelques années avant, il jouait avec les pros, il a même joué des matchs de Coupe d'Europe. Et après, il était entraîneur-joueur au centre de formation. Ouais. Et on jouait tous les deux dans l'axe, parce qu'à l'époque, on appelait ça le libéro et le stopper. Donc, on jouait tous les deux ensemble. Donc, on avait aussi un lien assez particulier tous les deux. Et au bout, bon, ça se passait pas trop mal a priori. Et j'ai intégré très rapidement l'équipe professionnelle à l'entraînement. C'était Roger Lemaire, il me semble, hein, qui avait demandé à Arsène de me voir un petit peu ce que j'avais dans le ventre. Et il me semble qu'à 17 ans et quelques mois, j'ai joué mon premier match titulaire en pro, en première division. C'est vrai qu'il y a des jeunes auditeurs qui doivent halluciner en écoutant la radio. Ils doivent se dire Roger Lemaire, Arsène Wenger. Oui, on parle bien du Racing Club de Strasbourg. Non, on les parle, en plus, on parle d'Arsène Wenger, joueur. Même pas encore l'entraîneur et le manager qu'on connaît d'Arsène aujourd'hui. C'est qu'il est, était au Racing à l'époque, et effectivement, il était au Racing quand il était joueur, hein, Arsène Wenger, et c'est comme ça qu'on l'a connu à Strasbourg. Tout à fait. Mais il avait déjà, en tant que, j'ai beaucoup appris à son contact. Hein. C'est vrai qu'à Strasbourg, j'ai eu une douzaine d'entraîneurs, il me semble, en quelques années. Et j'ai un peu appris de tous les entraîneurs, hein, plus ou moins. Mais Arsène m'a beaucoup apporté. C'est un homme très intelligent et qui connaît très bien le football. Et qui, je me rappelle à l'époque, c'était assez sympa parce qu'il allait voir, le football allemand est toujours au top niveau, hein, mais à l'époque, il était encore plus. Il allait voir régulièrement des matchs en Allemagne et après avec le centre de formation on mettait en place on avait une culture tactique assez importante et on a chaque mois ou tous les deux mois on mettait en place une tactique qu'il avait vue en Allemagne, donc c'était assez enrichissant. Vous inspiriez de l'Allemagne en fait. Jawohl. Il a gardé quelques mots d'allemand quand même. Hein, même. Ouais, cool. L'autre jour, j'ai des amis qui ont halluciné parce qu'à travers mon métier, j'ai accueilli un club allemand d'athlétisme et j'ai commencé à parler en allemand et mes collègues de boulot ils m'ont dit « Mais Vincent, tu parles allemand ?» Je dis un petit peu à Strasbourg quand même. Il faut quand même rappeler que vous êtes né à Strasbourg. Hein, enfin voilà, donc après, oui, forcément, on comprend. Je suis d'origine espagnole, mais né à Strasbourg et j'adore Strasbourg et j'adore l'Alsace. Et c'est vrai que cette histoire d'amour avec le Racing qu'on disait là, elle va commencer à 17 ans. Alors c'est marrant quand même. Là aussi, je prends un coup de jeune quand même parce que quand vous avez joué votre premier match à 17 ans, c'était en fin 82. J'étais juste né, j'étais tout petit quoi encore. Donc c'est vrai. Mais voilà. Après j'ai suivi le Racing quand même à la fin des années, au début des années 90. Mais j'étais tout petit encore. Mais c'est vrai que vous avez commencé super jeune, ouais. À Lille, c'était à Lille. Ouais. À Lille, titulaire, et j'avais remplacé Jean-François Jodard. Et après, au fur et à mesure, j'ai gagné ma place. Et je suis pas un spécialiste des stats, mais j'ai souvent été... tout doucement, j'ai appris le métier. J'ai eu une année un peu pendant l'armée. J'ai fait l'armée au bataillon de Joinville, donc j'étais un peu moins présent. Mais bon, en début de saison, j'étais pas forcément dans l'équipe type, mais au bout de 5 entraînements, j'ai intégré l'équipe type parce que j'ai pas été le joueur le plus doué du club, mais j'avais d'autres qualités importantes. À toute comparaison égale, mais j'ai l'impression, enfin. On peut un peu mettre un peu pour les jeunes auditeurs aussi d'aujourd'hui. Voilà, vous aviez le côté fidèle au club, un joueur. Moi, je regarde un peu les statistiques que vous aviez au niveau de nombre de matchs. On pouvait compter sur vous sur une saison. Il n'y a pas eu vraiment. Alors peut-être que la chance aussi et les blessures ont été épargnées un petit peu, mais c'est pratiquement 30 matchs par saison à chaque fois. Oui, il y a des saisons où j'étais jamais remplaçant, mais ça m'est arrivé aussi. Il faut justement passer par là pour apprendre et forger un gros mental. Mais c'est vrai que j'étais... comme je vous dis, c'est rigolo parce que quand on mettait sur l'équipe France Football, l'équipe type du Racing, j'y étais très très rarement. Mais bon, au bout d'un jour, je crois qu'un des entraîneurs, Léonard Specht, il avait
écrit un petit papier sur les DNA et il disait justement que c'est quand quand Vincent n'était pas dans l'équipe qu'on se rendait compte de l'importance et de l'efficacité de ce joueur au sein du groupe. Disons que je travaillais pour les autres, ça a été une qualité, mais peut-être aussi un défaut, mais ça m'a joué peut-être des tours hein, pour évoluer dans ce métier ou aller dans d'autres clubs. Mais voilà, on se change pas, je courais pour les autres, je travaillais pour les autres, et c'est comme ça. Alors peut-être aussi, vous disiez, vous couriez pour les autres, peut-être rappeler à nos auditeurs un petit peu le poste que vous jouez au Racing Club de Strasbourg, on y reviendra tout à l'heure aussi sur une chose importante que vous aviez, c'est le brassard de capitaine sur les dernières années que vous aviez fait au Racing Club de Strasbourg. On va peut-être un petit peu rappeler, vous étiez défenseur central avec Arsène Wenger, mais vous jouez aussi un peu milieu défensif, enfin, surtout ces deux postes-là, oui. J'étais plutôt à tendance défensive, j'ai jamais été très adroit devant le but, mis à part à un moment donné... C'était avec Robert Herbin. Je ne sais pas pourquoi il m'avait mis un peu le numéro 10 au dos. Il m'a dit, Vincent, essaye de monter d'un cran et joue un petit peu devant. Première fois qu'il me met numéro 10, bon, j'avais fait un match pas trop mal. Je marque un but. Je n'avais pas marqué en plus beaucoup. Hein. Tu vois, je me suis dit, c'est facile hein, d'être 10. C'était le deuxième match que je rejoue. Je crois que je fais une passe D et encore un but. Ça y est, je me prenais un peu pour un autre. Je suis vite redescendu sur terre. Et Robert Herbin, il m'a dit, bon, Vincent, fais ce que tu fais de mieux, on arrête un petit peu et tu reviens derrière. c'était politiquement correct d'avoir dit comme ça, en disant, t'es peut-être plus utile ailleurs, en fait. Après, voilà, c'est quand même un sacré entraîneur. Et, bon, moi, j'étais toujours à l'écoute, hein, et au service de l'équipe et de mon entraîneur. Mais c'est vrai que, j'étais plutôt dans l'axe. J'aimais bien courir, défendre et donner les ballons propres à des joueurs de talent et des créateurs. Alors c'est vrai qu'on parlait d'entraîneur. Vous avez quand même passé plus de 10 ans, on va dire, hors formation au Racing Club de Strasbourg. Hein. C'est quand même énorme. Après c'est vrai peut-être que c'est. Peut-être que je me rappelle de tous. Vous les avez, la liste, ou pas? Ah oui, on a quelques sources, notamment la Bible, RacingStube.com, qui est un site où, effectivement, on trouve tous les stats. J'ai eu Roger Lemaire, Jürgen Sundermann. Et à cette époque, c'est vrai qu'on parlait pas mal l'allemand. Hein. Il y avait quelques Allemands dans l'équipe et des Alsaciens, forcément. Donc, ça parlait beaucoup l'allemand et l'alsacien dans le vestiaire. Donc, il fallait que je me mette au parfum. Après, Jürgen Sundermann, on a peut-être eu... Maxide, il avait fait peut-être un intérim. Il y avait eu aussi Gérard Banide, Robert Herbin, Jean-Pierre Dogliani, Léonard Specht, Kasper Zack, Piasecki, il avait fait un an. Et bon, qu'est-ce qu'il y avait encore j'en oublie encore. Ouais, Jean-Noël Luc. Il a été, là aussi, c'était assez rare, il était joueur-entraîneur en première division. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, ça arrive rarement. Enfin, c'est quelque chose qu'on verra plus aujourd'hui, en tout cas, ouais. Non, Jean-Noël Luc, ouais, c'était, Vous êtes pas mal, Roger Meyer, Sundermann, ouais, Huck, Piasecki, Dogliani, Herbin, Kasberger, Peter Hirschfeld, qui était déjà notre invité, hein, qu'on a déjà reçu, Dogliani, Banide, il y a même eu du Albert Gemrich dans les années 89. Voilà. Pas longtemps, un jour. Voilà, c'est vraiment pour l'intérim. Et puis Léo Specht, effectivement, avant le retour en juin 91 de Gilles Bergès. Ouais, ça c'était ensuite. Ouais. Il y avait même Pascal Janin. Ben oui, non mais. En joueur. En joueur, ouais. J'ai joué avec lui, avec Pascal. Hein. Non mais c'est... Si je vous donne des noms avec qui j'ai joué, vous allez prendre peur. Hein. Ah bah allez-y, nous on aime bien ça justement. Hein. Ça risque d'être long, disons. Non mais c'est surtout qu'il y a commencé avec l'équipe qui venait juste après, forcément les champions de France. Hein, j'ai commencé. Donc j'ai joué avec les Joël Tanterre, avec Olivier Rouillet, avec Dominique Dropsy, le regretté Dominique Dropsy. Ouais. Et à l'époque, les staffs techniques c'était pas comme aujourd'hui. Hein, il y avait quoi? Un entraîneur adjoint, et c'est tout, hein, je crois. Et c'était les remplaçants, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que deux. Il y avait 13 joueurs sur la feuille de match. Les remplaçants qui échauffaient le gardien. Et je vous dis pas, échauffer Dominique Dropsy, qui était international avec l'expérience qu'il avait,
s'est dit, on avait une pression là sur le côté, on avait intérêt à lui mettre le ballon où il le voulait. Il n'y a pas de petit rôle hein, finalement. Hein. Ouais, il y avait Piasecki, et aussi il y a quelques temps, j'ai un peu mis des commentaires sur Facebook par rapport à Rémi Vogel. Ouais. Qui a disparu et j'ai franchement été très triste. Ouais, c'est triste parce que j'ai joué avec lui pendant des années, on avait créé voilà une liaison. Forcément, les défenseurs centraux, ils partagent des choses un peu à part et c'était quelqu'un d'extraordinaire aussi, comme beaucoup de joueurs que j'ai connus au Racing. Hein. J'ai connu les Larios, les Lacuesta, les Pita. Ça vous dit Pita? Ah oui, oui. Je sais pas si c'est forcément des très bons souvenirs pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ont marqué, c'est des noms qui en tout cas ont marqué un bon nombre de supporters. Juan Simón, un des meilleurs libéraux que j'ai connu de tous les temps, qui a été, je crois, finaliste de la Coupe du Monde, l'Argentin. Évidemment, Leonard Specht, Deutschmann, ces anciens joueurs hein, qui ont été champions de France. Et Roland Wagner... Bon, Arsène et forcément les champions du monde que j'ai côtoyés, Franck Leboeuf et Youri. Et justement, est-ce que s'il fallait en garder allez, un ou deux, il y aurait un ou deux noms qui sortiraient de toute cette belle liste? Parce que là, c'est même plus une équipe type qu'on peut faire là, c'est juste une équipe magnifique. Une équipe magnifique. Il y avait les Larios, les Lacuesta, c'était des joueurs brillants, hein, mais bon. Mary Crimo, on avait même un certain Bettencourt, les Allemands, Kelch, Peter Reichert aussi, bon, tous ces joueurs de talent, mais c'est vrai que Youri Djorkaeff avait des qualités devant le but assez exceptionnelles. Déjà à l'époque, déjà à l'époque, je me souviens ici, Mongzu, qui était quand même un sacré buteur, hein, un caractère un peu particulier, mais Didier était un super buteur, mais, bon, il y a eu plein de joueurs de qualité, hein, de grande valeur au Racing. Alors c'est vrai sur toutes ces saisons au Racing Club de Strasbourg, vous avez forcément vécu. Il y avait effectivement aussi l'après titre de champion de France. On imagine que c'était pas forcément évident non plus parce que il y avait la pression. Quand on était champion de France sortant, il y avait des choses à faire. Les années 80 n'ont pas non plus été des plus calmes parfois. Il y a également une descente du Racing en division 2 à l'époque. Hein, on parlait encore des divisions. C'est ça, 86-87. Les deux années en D2. Et de mémoire, il me semble qu'on est descendu au goal average pour deux buts peut-être, un ou deux buts. On peut vérifier ça, alors là c'est vraiment... Avec le Matra. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous nos invités qu'on a eu, je crois qu'on est à 230, quelque chose comme ça, il y a deux catégories. Il y a les joueurs qui se souviennent même pas du match de la semaine passée, et puis il y a les autres. Et puis il y a les autres, on se souvient effectivement de toutes les rencontres comme ça, c'est assez énorme. Et alors moi j'ai vu aussi un truc assez rigolo, c'est que le Racing avait raté la montée, je crois, alors je sais plus, dans les années 86, de mémoire, je sais plus maintenant en quelle année, dans les barrages. Alors non, je vais raconter des bêtises. J'ai joué, je crois que je suis un des joueurs qui a disputé le plus de barrages. Peut-être en France d'ailleurs. Et justement, on parlait de barrages. Il y a un barrage. Alors j'espère que ça ne nous arrivera pas avec le Racing, puisqu'ils sont la même division. Mais en 91, il y a un barrage face à Lens. Je ne sais pas si vous en souvenez de ce barrage-là. Très bien. C'est mon jubilé au Racing Club de Strasbourg. Exactement. Malheureusement, c'est mon dernier match au Racing. Ça se termine sur ce match incroyable à Lens. À Bollard, je crois qu'on avait fait match nul à domicile. C'est ça, un partout, ouais. On joue là-bas et voilà, ça a été un match serré, ça a penché de leur côté. J'ai gagné aussi deux barrages, je crois. J'en ai perdu deux et j'en ai gagné deux. Je crois que j'ai joué quatre barrages en tout. Et surtout, alors je sais pas si... J'ai un autre mauvais souvenir, mais bon, celui-là, on va l'oublier. Ah on n'est pas là pour parler de mauvais souvenirs. Moi, j'ai surtout vu, alors je sais plus où j'ai vu cette statistique, mais qu'a priori, vous détenez le record du plus grand nombre de matchs disputés par le club en deuxième division, avec le Racing. Moi, j'ai cru entendre ça un jour, on m'a dit ça peut-être. Ouais. Parce que vous avez joué quand même 4 saisons, hein. C'est vrai que vous avez quand même fait pas mal de matchs, hein, comme on disait, pratiquement une trentaine de matchs en moyenne. Alors des buts, hein, vous l'avez dit, vous n'avez pas marqué beaucoup. Que j'ai mes stats, je crois que je suis à 280 ou pas loin de 300 matchs en pro. Ouais. J'ai arrêté à 27 ans à ce niveau-là, donc c'est vrai que si, comme j'étais pas trop mal physiquement, j'avais à peu près une vie assez saine, j'aurais pu jouer au moins jusqu'à 34 ans, donc... Et pourquoi avoir arrêté, du coup? J'aurais pu me rapprocher des 500 matchs. Ouais.
Et du coup, pourquoi avoir arrêté à 27 ans? Pourquoi? C'est pas moi qui ai décidé. du moins, oui et non. Donc, en 91, là, il y a ces barrages. Juste avant ça, il y a Léonard Spech. C'était, oui, il me semble, l'entraîneur. Il me disait, Vincent, t'es en fin de contrat. Il y a plein d'entraîneurs qui m'appellent. Ils veulent te prendre. Donc, j'avais pas mal de contacts. Et pour diverses raisons, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui ne voulaient pas forcément du bien, sans faire dans la paranoïa. Mais en tout cas, je me suis retrouvé au chômage. J'étais après... capitaine du Racing et je me suis retrouvé au chômage. Après tant d'années de matchs disputés, c'est quand même incroyable, ouais. Quand même. Ouais, il y a par exemple à Nice, Jean-Noël Luc qui était là-bas, il me dit Vincent, je te veux, etc. Mais il y a quelqu'un de Strasbourg, un dirigeant qui a appelé, qui a dit que tu étais fini pour le foot. Il dit, mais attends, tu viens, à Jean-Noël Luc avec qui j'ai joué, tu me connais, tu me fais passer des tests et tout ça. Ouais, mais on a peur, le président a peur, ils ont dit que t'étais foutu pour le foot. Bref, après il y a eu plein d'autres cas. J'ai même fait une semaine au Paris Saint-Germain. Il y a Arthur Georges qui me voulait impérativement. J'ai fait une semaine d'entraînement là-bas et à l'issue de cette semaine, il me dit Vincent, demain il y a Michel, le président qui vient, Deniso. C'est rigolo parce que c'est avant mon frère. Bah justement, on va parler de notre frère après. Ouais. Et je fais une semaine, ça avait l'air assez bien. Le lendemain, je suis dans leur bureau. Alors moi, je devais signer le contrat. Il y a Michel Deniso qui me dit Vincent, je suis vraiment désolé, mais hier soir j'ai eu Bernard Tapie. Qui veut impérativement Jocelyn Gloma, et en échange, il me donne 3 joueurs. Je dis, ok, c'est bien, mais c'est 3 joueurs qui jouent exactement au même poste que toi. Aïe. Donc voilà, c'est dommage, t'es un joueur de qualité, faire banquette ou être à 5-6 pour 2 postes, c'est dommage. Donc voilà, il y avait, je crois, Laurent Fournier, il y avait Pardo et Germain, Bruno Germain. Donc finalement je suis pas allé, je me suis retrouvé au chômage et après j'ai un peu paniqué, j'ai signé au premier club qui me proposait quelque chose avec mon ami Frédéric Christian et je suis allé à Épinal. Du côté d'Épinal. Un petit mot quand même, on va en parler parce qu'on avait même évoqué ça déjà quand on a vu votre frère au téléphone. C'est vrai qu'on les supporters du Racing d'une génération se souviennent surtout des Cobos parce que vous étiez 2 frères à jouer, ce qui est quelque chose d'hyper rare aussi. Vous avez joué de nombreux matchs avec José sur le terrain. C'est quand même quelque chose, une relation assez particulière. Qu'est-ce que ça fait tout simplement de pouvoir évoluer à un tel niveau avec son frère, quoi, tout simplement. Sur le moment, c'est vrai que je ne m'en rends pas compte. Et avec quelques années de plus, et avec le recul, c'est vrai que c'était forcément un excellent souvenir de jouer avec son frère, d'avoir 2 frères. Et j'imagine que mes parents devaient être aussi assez heureux et touchés de voir leurs 2 enfants jouer à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais à l'époque, il y avait 3 ou 4... frères qui jouaient à ce niveau-là. Il y avait les frères Planck, dont un qui a joué à Strasbourg. Oui. Il y avait les frères Passy, que je connais bien. C'était un peu Enou, les Cobos, je crois. Ouais, c'est quand même... voilà, bref. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et c'est, aujourd'hui, je me rends compte que... Mais bon, lui, je sais pas... Non, il vous l'a pas dit, parce que j'ai écouté un peu ce qu'il a dit. Ah. Et quand il en parle un petit peu à des amis sur le terrain, j'étais un peu raide avec lui. Vous avez joué contre lui quand aussi. J'étais capitaine, c'est un peu pour ça aussi, parce que j'étais un meneur et bon, il n'y avait pas de distinction que ce soit le frère ou pas, il fallait emmener la boutique avec et puis en avant, quoi. Oh non, je sortais les crocs comme on dit des fois et on avait intérêt à tous se bouger, à mouiller le maillot. Hein. Ouais, du coup vous avez joué contre lui aussi? Oui, j'ai joué contre lui. Justement, joué nous avec Épinal, le dernier match que j'ai joué à Épinal, d'ailleurs c'était mon dernier match pro, c'était à Strasbourg. Eux, il leur fallait gagner pour jouer les barrages, c'est l'année je crois où ils remontent en première division. Et nous, on devait faire match nul pour se maintenir en deuxième division. On en a pris 4 ou 5 et voilà, on a perdu. Et donc après, ça a été une année catastrophique à Épinal, dépôt de bilan, on n'a pas été payé pendant des mois et des mois. Et bon, quand on a connu Strasbourg, il était hors de question que je connaisse une autre expérience comme celle d'Épinal.
Donc, j'avais des propositions de deuxième division, mais à l'époque, la DNCG était sur pas mal de clubs et il y a eu un assainissement financier de pas mal de clubs et j'avais des propositions et c'était... Non, ça ne me disait plus rien de revivre ce que j'ai vécu à Épinal. Et c'est vrai que du coup, vous arrêtez pratiquement assez tôt quand même votre carrière. Ouais, 27 ans. Ouais. Et là... Et là, effectivement, bah, changement de direction, on va dire ça comme ça. Arrêt de, on va dire, d'une carrière quand même riche de plus de 200 matchs. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Est-ce qu'on cherche à... Voilà, vous aviez déjà des idées de ce que vous vouliez faire après votre carrière de sportif? Non, c'est vrai que c'est assez particulier parce que c'était quand même inattendu. Ça a été un bouleversement dans ma vie, mais bon... Il fallait que je relève la tête et que voilà, et on m'avait proposé une reconversion dans le sud de la France. D'ailleurs, un ancien président du club du Racing qui voulait se présenter au municipal à Sainte-Maxime et qui m'a dit: Vincent, viens avec moi, tu prends le club de foot, tu joueras entraîneur. Le club de foot a toujours, j'allais dire, un poids électoral important. Et si je passe maire, je te fais rentrer à la mairie de... Donc c'était dans au service des sports de la mairie de Sainte-Maxime. Et c'était qui ça alors le nom? Daniel Echter. Ah d'accord, voilà, bien, comme ça on va remonter, voilà, ouais. Et c'est justement le poste que vous occupez encore aujourd'hui? Sauf que ça n'a pas marché avec lui. il n'est pas passé au municipal. Et donc forcément, je n'ai pas été pris à ce poste-là. Et après, là, j'ai dû travailler parce qu'à l'époque, on ne gagnait pas l'argent qu'on peut gagner aujourd'hui. Et donc, j'étais au chômage et j'ai dû gagner ma vie et nourrir la famille. Donc, j'ai pris pioche et pelle et j'ai travaillé dans les jardins. Au plus bas, on va dire ça comme ça. Ouais. Et maintenant, voilà. Le Vincent Cobos de 2017, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors après, j'ai été consultant pendant 15 ans chez Canal, dans la Suisse. Et depuis l'année 2000, je suis directeur du service des sports à la ville de Sainte-Maxime. Donc vous avez toujours gardé un petit pied un peu dans le football, ouais, quand même. J'imagine que le terrain de Sainte-Maxime doit être plutôt sympa. Ouais. Non, mais je suis directeur du service des sports, donc à la mairie finalement. Ouais. C'est rigolo parce que j'y suis rentré par un autre moyen. Voilà, le maire à l'époque qui ne m'avait pas pris m'a dit: Vincent, j'ai besoin de toi, t'es un homme qui peut apporter beaucoup au service des sports, et il a vu que j'avais un peu de caractère, donc je me suis mis aux études à plus de 30 ans, et voilà, j'ai préparé mes concours de la fonction publique. Je les ai réussis, c'était un peu le deal avec lui, hein, si je réussissais, me garder. Ouais. Et ça fait 17 ans que je fais ce métier, que j'ai découvert un métier extraordinaire, enrichissant, intellectuellement, et voilà, donc c'est autre chose. Vous avez même vu un peu entraîneur du côté de Saint-Tropez, j'ai vu ça dans les petites fiches. Ouais, depuis 25 ans, j'ai entraîné 10 ans à Sainte-Maxime, ensuite 5 ans à Saint-Tropez, on a raté une accession CFA2 lors de la dernière journée, et j'étais dans un club qui s'appelle, une association de plusieurs clubs, La Croix-Valmer-Cavalaire, et là je suis à Draguignan. Et ça fait, moi, ça me fait, ça, je sais pas, ça me ra... À Strasbourg, juste, Vincent, il fait dégueulasse aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Il fait froid, il pleut. Et je sais pas pourquoi, je sens dans mon casque, en fait, comme un peu la de chaleur, comme ça, qui arrive, les cigales, la mer, la Méditerranée, le sud, enfin. Même la place Kléber, j'ai l'impression qu'il y a des vagues dans la fontaine, non? Enfin, je sais pas. C'est voilà, c'est l'air marin. Tu vas aller bronzer, Marie? Ah ouais, j'y vais. L'Alsace me manque et Strasbourg me manque quand même. Eh ben justement, quand est-ce qu'on vous revoit? Voilà. Comment? Quand est-ce qu'on vous revoit à Strasbourg? Est-ce que vous venez de temps en temps quand même à Strasbourg? Avec l'ami Pierrot. Oui, parce que j'ai mes parents qui y habitent, ma sœur qui est aussi à Strasbourg, et depuis peu, un garçon qui vit à Strasbourg, il était à Sainte-Maxime, il est remonté à Strasbourg. Donc oui, j'ai de la famille à Strasbourg, donc je monte régulièrement. Et vous suivez encore les résultats du Racing justement? Oui, ça me fait drôle d'être là aujourd'hui à l'antenne, parce que bon, Strasbourg, le Racing, c'est quand même le club de ma vie, et c'est voilà, c'est mon club. Ils sont premiers là. Tout à fait. Ça, oui. Et ils ont 4 points d'avance, je crois, sur Lens et Nîmes. Ouais, ils sont le quatrième, ouais. Donc
ils sont bien placés et ils ont fait un parcours incroyable, hein. Vraiment incroyable, avec voilà une équipe qui a une âme, une équipe qui n'a pas forcément de vedette, mais voilà, c'est une équipe de football et ils réussissent pour moi un exploit parce qu'il y avait d'autres clubs qui étaient beaucoup plus mieux armés que le Racing et avec le public derrière, hein, le 12e homme, bah, ça fait, j'allais dire, l'amalgame qui les mène, j'espère, de nouveau en première division. Eh ben, écoutez, en tout cas, ben, on l'espère. Vincent, on vous donne rendez-vous bientôt à Strasbourg, du coup, hein. Vous venez quand vous voulez, hein, même ici au studio, on est place Kléber, hein, donc c'est facile à trouver. J'ai habité à côté de la place Kléber pendant 25 ans, place du Templeneuf. Ah ben, on est vraiment, mais alors, à allez, côté. Allez, quoi, à 100 mètres, hein, même pas, ouais, c'est vraiment ouais. Juste à côté. En tout cas, ça vous a fait. Place, là-bas. Ah ben oui. Ah ben voilà, donc vous serez pas dépaysé si vous venez un jour chez nous, il y a pas de souci. Hein. En tout cas, ça nous a fait un très grand plaisir d'avoir de vos nouvelles, hein, tout simplement parce que ça nous fait toujours plaisir d'avoir des infos des anciens, de voir un petit peu comment ils se portent aujourd'hui. Et on voit surtout que vous avez toujours un œil sur Strasbourg et ça nous fait aussi forcément plaisir, surtout quand on sait où on était il y a 5-6 ans en arrière et qu'aujourd'hui, bah, le Racing est de retour au premier plan. Ouais. Et je pense que voilà, c'est ça qui est sympa. Ouais. Ouais, je suis allé voir et c'est vrai que je vais pas beaucoup voir de matchs, mais j'étais c'était en national, c'était donc l'année dernière quand ils étaient à Fréjus, c'est à côté de ouais. Chez moi. Je suis allé là-bas. D'ailleurs, ils ont perdu à Fréjus. Il y avait bon des amis que je connais bien puisque il y a Patrick Spielmann que je connais bien, il était à l'époque hein, déjà ouais. des actionnaires comme Patrick Dreyfus, Christophe Remp, ouais. Bon l'entraîneur Jackie. Hein, donc ces gens-là que je connais bien, ça m'a fait plaisir de les revoir. Il y avait des personnes qui m'ont vu là-bas, ils étaient contents, des supporters qui sont déplacés. Des gens qui disaient « Vincent, j'étais ramasseur de balles à l'époque. » Ouais, comme quoi vous n'avez pas beaucoup changé, vous voyez. Ah si, si vous m'avez vu là sur une photo, là. Toi Frédéric, tu m'as vu avec une ouais. photo, il ne faut pas la dévoiler. Hein. Non, elle est secrète. Il l'a bien cachée en tout cas. C'est collector. Ah, il l'a montré, non. Non, on l'a gardé, on l'a gardé. Il la montrera après. Ouais, on la montrera. Un petit billet de salon dans la poche. Tu as les moyens de me faire chanter. Après, ouais, on la montrera. Un petit billet de salon dans la poche. Les moyens de me faire chanter. Hein, ah non, mais en tout cas, ça nous ferait très grand plaisir si un jour vous êtes de passage à Strasbourg. Je descends en famille à Strasbourg du 15 juillet au 24. Ouais. Ah bah voilà, bah écoute, aux endroits. Je viens. Eh ben voilà, on aura peut-être rendez-vous, on se recontactera d'ici là. En tout cas, ben grand merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et puis ben ouais. On verra en suivant effectivement le Racing qui joue face au Havre vendredi. On verra. Ouais, si... Et après le choc contre Lens, j'ai vu que le supporter n'était pas content. Oui, ben, oui, ça c'est sûr. Et ben effectivement, on n'est pas très content parce que je pense que ça aurait été samedi à 15h, on serait déplacé à plus de 2000 facilement. Ouais. Et là, malheureusement, le lundi soir, même si la journée est fériée, 1600 places à louer au supporter. Ouais, 20h40. Un lundi soir, c'est compliqué, sachant que ça fait un retour à 4-5 heures du matin. Il y a des gens qui travaillent le lendemain, donc c'est vrai que c'est forcément un petit peu déprimant, sachant que vu la physionomie du match aller, qui était vraiment au top, on avait ouais. espéré une super fête, hein, tout simplement pour ce match-là. Ouais, voilà. Et ouais. puis, bah malheureusement, bah ça sera pas comme ça, ouais. mais. Qu'est-ce qu'on veut ouais. On espère, on fera la fête en tout cas vendredi à la Méno, parce que c'est pratique. Bah, c'est à guichet fermé. Il reste quelques places ouais. debout encore, mais ça sera à guichet ouais. fermé. Et le 12e homme, comme vous disiez, sera en tout cas présent vendredi. Et on imagine ouais, le ouais. dernier match face à Bourg-Péronas également sans aucun souci. Très beau. En tout cas, c'était un plaisir, Frédéric. C'est sympa. Voilà, je vous avoue sincèrement que ça m'a touché que vous contactiez, parce que voilà, Strasbourg, c'est le club de mon cœur. Et j'oublie pas les moments même difficiles que j'ai passés, mais les bons moments, et avec l'âge, on garde souvent en mémoire les bons moments. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben, grand merci en tout cas, et puis ben, on se dit à très bientôt. Ouais, salut Pissam. Merci. Ça n'a pas changé, on dit toujours ça en fait. Hein. Ça n'a pas changé. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Au revoir à tous, allez, bye. Voilà, avec Vincent Cobos, notre invité de ce soir. Voilà, ça nous a fait toujours plaisir de retrouver les anciens qui n'ont pas perdu hein, la carte de Strasbourg. Et voilà, on a toujours un lien affectif forcément quand on est passé au Racing Club de Strasbourg. On n'oublie pas d'où on vient et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir toujours des nouvelles des anciens du Racing. On se retrouve vendredi 20h à la Méno dans un stade
Je pense que tout le monde sera chaud bouillant, qu'importe la météo. Ça sera le The Big Ambiance. Voilà. En tout cas, ça va détonner de depuis très très loin. Enfin, ça va être donné. Il y aura un 12e homme, mais il y aura 25 000 qui seront derrière. 25e homme, même aussi. Ouais, 25e homme. Voilà. On espère, en tout cas, une chaude ambiance. Malheureusement, effectivement, le match de Lens, ça sera un peu plus compliqué pour ouais, le déplacement. Ouais, ça, c'était par contre énervant. Voilà. Ben, on n'y reviendra pas dessus. Peut-être que l'année prochaine, on jouera, j'ai vu, peut-être à 13h encore. Donc, je sais pas encore ce que ça va donner, mais voilà. En tout cas, voilà. On vous souhaite une très bonne soirée. Puis, on se retrouve, comme dit, vendredi. Et puis, la semaine prochaine, mardi, pour une nouvelle émission Planète Racing sur RBS. Comme on dit chez nous. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.